C'est clair, il y a une dynamique assez spectaculaire. Nous arrivons en tête dans 47 départements contre 42 pour Monsieur Macron, dans 18 845 communes contre 7000 pour Monsieur Macron. Nous sommes en tête en Outre-mer aussi. Mm-hmm. Je crois que c'est un symbole fort d'ailleurs. Ce sont des territoires qui ne souhaitent pas être abandonnés comme ils l'ont été depuis un certain nombre d'années. Non, la dynamique est extrêmement forte et je crois que nous sommes en capacité de rassembler très largement parce que il y a beaucoup d'électeurs. Où sont vos réserves de voix, David Rachine? Parce que depuis hier soir, les appels à voter Emmanuel Macron ou à faire barrage à Marine Le Pen se multiplient. Où sont vos réserves ? Monsieur Soto, que les gamellards aillent à la gamelle, c'est une chose, mais je crois que les électeurs, dans leur immense majorité, par exemple ceux de monsieur Fillon, refuseront le projet mondialiste de monsieur Macron. Ils souhaitent que la France soit indépendante, que la France soit libre. Ils souhaitent, parce que nos idées sont majoritaires, ils souhaitent que nos frontières soient contrôlées, ils souhaitent qu'on mette fin à cette politique de concurrence déloyale qui détruit tellement d'emplois dans notre pays. Ils souhaitent que l'on lutte véritablement contre le laxisme de la justice et contre l'insécurité qui règne et qui continue à augmenter mois après mois. Donc...